Les grandes pluies qui sont tombées sur Conakry ce jeudi ont occasionné des inondations dans le quartier d'Ixin Centre 1. Plusieurs habitations, y compris la mosquée centrale, ont été envahies par les eaux. La population dénonce l'étroitesse des caniveaux construits par l'entreprise chinoise. Télévision, congélateur, matelas, tout est dans l'eau. Là où je suis comme ça, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai peur du tout. À chaque fois, c'est comme ça, nous sommes fatigués. Dites-leur de nous aider aussi. Regarde les caniveaux qu'ils ont construits ici. Non, c'est de la merde. C'est de n'importe quoi. Regarde. Regarde chez vous. C'est pas facile. Depuis quelle heure vous êtes là? Depuis 4 heures. Depuis 4 heures, on est là. On est là. Regardez, regardez. L'eau est rentrée. On ne sait pas ce qu'on va faire. Regardez. Regardez, c'est cette année que ça a commencé. L'année passée, c'est pas passé comme ça. Les Chinois n'ont pas bien travaillé cette année-là. Les propriétaires de ces deux boutiques de vêtements de marque ont vu leur article dans les eaux. Les pertes sont énormes. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Et nous demandons aussi aux entreprises qui exécutent ces travaux, ils font en sorte que les gens ne soient pas victimes vraiment de ces inondations. Vraiment. Dixin Centre 1 risque de revivre le même scénario avec la forte pluviométrie du mois d'août en Guinée.